Vous êtes en troisième et désormais, il va être l'heure de vous demander que dois-je faire si on me demande de passer l'épreuve de français au brevet. Le français, désormais, est intégré à la seconde épreuve du brevet, où on évalue quatre matières, l'histoire, la géographie, l'enseignement moral et civique et le français. Cette épreuve est divisée en deux parties, qui dure au total 5 heures. Vous aurez une première partie où on évaluera votre compréhension, votre analyse et votre interprétation de textes et de divers documents. Et vous aurez une deuxième partie où on évaluera vos compétences de rédaction et de maîtrise de la langue. La première partie sur l'étude de textes et de documents durera 3 heures. Il y aura une première étape dans cette partie où vous travaillerez sur l'histoire, la géographie et l'enseignement moral et civique pendant 2 heures. Ça, ce sera votre professeur d'histoire géo qui vous en parlera. Et dans cette première partie, il y a 1 heure consacrée au français où vous aurez un texte à étudier accompagné d'une image ou d'un document audiovisuel. Dans la deuxième partie de l'épreuve, vous aurez 1h30 pour faire une dictée qui durera 20 minutes, une réécriture pendant 10 minutes et une rédaction. Donc vous aurez 2 sujets au choix, soit un sujet d'invention, soit un sujet de réflexion. Et la rédaction durera 1 heure.